moins, nous, on n'en est pas là. Hein. Oh non, non. Pour la pension alimentaire, on ne touche pas. J'avais pensé à un montant de 800 euros par mois. Quoi ? 10 ans de vie commune aussi. Hein. Mais ça fait 10 ans que t'es dans la merde, Antoine. Eh bah, ça veut dire quoi ? Carte bleue invalide ? Puis là, c'est pas fini, il va falloir qu'il se loge, qu'il apprenne à se faire à manger. C'est quoi la viande à 5 euros le kilo ? Ça, c'est de la viande pour animaux, monsieur. Et parce que je suis l'homme qui ne sait rien faire. Des pères célibataires, j'en loge plus que des jolis petits couples. À bientôt. Alors au début, on a envie de vous aider parce que vous êtes tellement paumés. Ouais. Mais quelques mois après, nous, ça nous retombe sur la gueule. Parce que quoi, je... Bah parce que vous êtes incapable de vivre tout seul. Mais t'es un enculé, Antoine. Quitter une femme comme Alice. Excuse-moi, là, je pensais trouver du réconfort en venant parler à ma sœur. Je sais pas ce qui m'a pris. Tu veux baiser à trois ? Ouais, pourquoi pas, ouais. Un, deux, trois. Papa ? T'es bourré ? Eh ben non. Qui c'est qui t'a pris à parler comme ça ? C'est toi. Elle t'a laissé ça, maman. Quoi ? Mais il faut que tu trouves une solution, parce qu'on a tous des problèmes de bonne femme. J'ai peur. C'est très très bon, ça vient chez le traiteur. C'est quoi un traiteur ? Quelqu'un qui s'embête à cuisiner toute la journée et qui te vend ça à 50 euros le kilo. Ça a l'air moche. J'ai appelé le président de la République. T'as même pas son numéro. Ton genre de fille, c'est quoi ? Elle est consentante. On dirait que tu veux vraiment pas que ton père refasse sa vie. Papa, je suis ta fille. C'est normal que je veux pas que tu refasses ta vie. Mais ouais, me regarde, elle me fait... Papa, en fait, je crois que j'ai une galère à caille. Ce que je me disais quand je la regardais au tribunal, je me disais qu'elle était plus belle sans moi. J'aimerais au moins comprendre pourquoi elle est partie. Tu devrais essayer plutôt de comprendre pourquoi elle est restée. Tu veux l'oublier, Alice, ou tu veux tout faire pour la récupérer ? T'as un boulevard devant toi. Bon, alors c'est qui le meilleur papa du monde ? C'est maman.